It's less dangerous. Here we are now. Entertainers. I feel stupid. Contagious. Here we are now. Entertainers. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour vous, mademoiselle? Ma demande va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais... Allez-y, je suis là pour ça. Est-ce que vous avez des horloges cassées? Des horloges cassées? Mais regarde autour de toi, je n'ai que ça. J'ai fini toujours par les réparer. Mais justement, là, j'en ai une qui ne peut pas être réparée. Oh, ça, jamais de la vie, ça, j'ai pas. Moi, si je répare pas, je perds le travail, je finis par vendre des babioles ou des chouchous et je finis dans la rue, like a hobo. Allez, ça va, c'est pas non plus comme si je vous demandais, je sais pas moi, un distributeur d'aurore boréale. Pourquoi? Toi, tu veux une horloge qui ne marche pas? On a tous nos secrets, non? What do you think, William? Yeah, she's pretty, but she's too old for you, mate. Si moi je te donne une horloge cassée, toi tu fais zip avec la bouche. Dans cette boîte, vous trouverez la seule horloge que je n'ai jamais pu réparer. On ne peut pas faire plus cassée que cette horloge. Elle a appartenu à mon arrière-grand-père, Jack. On raconte qu'on lui a greffé cette horloge à la place du cœur pour le sauver, mais elle est tombée amoureuse. Elle a perdu sa clé. Et personne ne l'a jamais retrouvé. Ni lui, ni la fameuse clé. Le flash, c'est pas... Ouais. Ok. Plutôt que de prendre des photos, ça vous embêterait pas de sauver une vie? Ma vie, par exemple? René, vous êtes un peu mort quand même, non? Franchement, ça va, non? Je peux? Mais il y en a beaucoup d'autres, des fantômes comme vous, dans les horloges? Pourquoi? Vous cherchez quelqu'un en particulier? Ma mère. Là. Derrière vous. Ah oui. Vous êtes plus nostalgique que les fantômes, vous? C'est-à-dire que le jour où je l'ai perdue, l'horloge à coucou de la maison s'est arrêtée. Du coup, bah, chaque année, le jour de son anniversaire, je me dégote une nouvelle horloge cassée. Vous voulez la revoir? J'en rêve toutes les nuits. Qu'est-ce que vous faites? Impressionnant, mais c'est toujours pas ça. Mais d'après vous, pourquoi il apparaît pas, le souvenir de ma mère? Libérez-moi et je vous promets d'essayer de retrouver le souvenir de votre mère. Bah, je veux bien, moi, mais comment? Je crois qu'il faut m'embrasser. Vous savez, quand on devient un souvenir, on vit dans l'angoisse perpétuelle d'être oublié. Mais... le pire, c'est de ne plus pouvoir toucher, ni être touché, ne plus embrasser. T'es un filou, toi, hein? Allez, ça va. C'est pas comme si je vous demandais un distributeur automatique d'aurore boréale ou... Hein? Bon, ok, vas-y. Bah, allez. Promis de m'aider, non? Il était une fille tout en talons aiguilles au cœur de cactus. On pourrait peut-être s'embrasser encore un peu. C'est toi que de moi, en fait. Mais pas du tout. Le souvenir de votre maman? Ouais.
Bon. Essayons de dormir. Peut-être viendra-t-elle en rêve. Ouais. Bonne idée. Bonne nuit. Bonne nuit. Bisous. Bisous. All over me. Oh, kiss me. I'm laying on wisdom under the snow. Plus jeune qu'elle. Merci, c'est gentil. Non mais je suis un vieux souvenir, c'est pour ça que, enfin, que je suis jeune. Elle va être tellement heureuse de vous revoir. Lola, je la visite très souvent en rêve. Mais revenir dans le réel maintenant, ce serait juste une catastrophe. Même si c'est pour le bonheur de votre fille, je trouve votre vision des fantômes un peu étriquée. Les fantômes, on la prendra pour une folle. Mais elle m'a libérée. Elle est ma muse maintenant. J'ai aucune envie que ma fille ait une relation avec un vieux fantôme comme vous. De toute façon, sans la clé universelle, vous allez disparaître. La clé universelle? Ouais. Celle qui ouvre toutes les horloges, qui libère les fantômes. La machine à faire revenir les morts. Je croyais que c'était une légende. Non, elle existe. Seule cette clé pourrait remonter votre horloge-cœur et vous maintenir en vie. Sans elle, vous passerez pas la nuit. Où est cette clé? Vous croyez sérieusement que je vais vous le dire? Bon, allez, assez bavardé. Vous allez quitter la ville, avant le lever du jour, d'accord? Lola vous oubliera et vous retournerez en douceur au royaume des ombres. S'il vous plaît. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour Lola. Si on voit des nuages dans le ciel, c'est Dieu qui se fait des pop-corn. Allez! Psst. Ah bon? Quoi la puce? Ah bon, je veux que tu restes. Faut que tu reviennes. Tu me manques. Cutting up my vampire, getting a little bit of this world.
Lola, écoute-moi bien, ma puce. Je me suis trompée. J'avais peur. Je voulais te protéger. Mais c'est ta vie. Ce n'est plus à moi de décider. C'est à toi de choisir. Au fond de cette enveloppe, tu vas trouver une clé. Et cette clé te donnera le pouvoir de faire revenir les fantômes dans le monde des vivants. Le choix est entre tes mains désormais, Malola. Je te fais confiance. Mais si tu veux sauver Jack, vraiment ne tarde pas. It's hard to be a cat in this fucking town, William. J'ai déjà vu une horloge comme ça, mais... Mais tu l'as vendue à une jeune fille plutôt pas mal. Qui êtes-vous? Je suis Jack. Je suis ton arrière-grand-père. That's not possible. Ok. Il me faut une clé universelle pour me remonter. Vous savez bien que c'est une légende. On raconte que celle qu'elle a construite n'est plus de ce monde. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais il faut que toi, tu restes très détends-toi, ok? Ok. Oh, sorry! Sorry!